Bergerac affiche fièrement les couleurs de son équipe de foot, le club est pour la première fois en quart de finale de la Coupe de France, et leur ascension fulgurante est sur toutes les bouches. On est fiers d'eux, et tant mieux que ça continue, on espère qu'ils vont monter un peu plus haut même, ce serait chouette, ce serait agréable. Ils ont un super entraîneur, ils jouent très bien, ils sont ensemble, on voit enfin une équipe qui joue les uns avec les autres, ça fait du bien aussi. Et franchement, je sais pas, ils nous portent quoi. Il faut dire que les Bergeracois sont inarrêtables, toutes compétitions confondues. Après avoir battu en Coupe de France Saint-Etienne le 30 janvier, c'est contre Chamalières en championnat vendredi dernier qu'ils arrachent leur 20e victoire d'affilée. En espérant que ça fasse 21 journées invaincues et 0 but encaissé, surtout en Coupe de France, c'est vraiment pas mal. Le prochain match contre Versailles se jouera à Périgueux mercredi. Dès son ouverture, la billetterie a été prise d'assaut à Bergerac. On n'a plus que la petite tribune. Toute la grande tribune a déjà été vendue. Une rencontre au sommet que les supporters attendent avec impatience. C'est surtout qu'ils pratiquent surtout un joli football. Voilà, c'est ça le plus important. Ils sont sur une super dynamique, ouais. Oui. C'est un club qui fonctionne bien et ça crée de la bonne humeur dans la ville, c'est bien quoi, à cette époque. À Bergerac, l'engouement est tel qu'on regarde déjà vers la demi-finale.